Si vous refusez de marcher sur Versailles pour demander au roi de nourrir son peuple, alors nous le ferons. Ouais, allons chercher la boulangère et le boulanger et le petit vitron. Ordre de la commune. Vous devez, avec deux délégués, conduire la garde nationale à Versailles et ramener le roi et sa famille à Paris. Nous sommes la garde du roi, pas ses geôliers. Silence ! Taisez-vous ! Des femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain ! Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur ! La cause que nous avons défendue est perdue si vous ne vous montrez pas prêt à vous battre et à vous battre encore pour garder ce que vous avez gagné. En route ! Sont mes lunettes. Ayez la bonté, monsieur Mounier, de me relire votre texte. J'accepte purement et simplement les articles de la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme qui m'ont été soumis par l'Assemblée nationale. Cela convient-il à Sa Majesté? Là n'est plus la question. Sa Majesté a signé. L'histoire retiendra le nom de votre Majesté comme le plus grand des rois de France. Du pain et de la farine sont en route vers Paris. Peut-être est-il temps que tout le monde rentre chez soi, monsieur de Lafayette. Si... Ces deux messieurs sont des commissaires de la Commune de Paris. Et quelle est la requête du peuple de Paris? Ils souhaitent, sire, que la garde personnelle du roi soit confiée à la garde nationale. Vous pouvez arranger cela, monsieur de Lafayette? Il exige aussi le renvoi des troupes royales dont la présence est une insulte au peuple. Est-ce tout? Les Parisiens demandent aussi que le roi retourne à Paris. Cela demande une réflexion. La journée a été longue. Nous reparlerons de cela demain matin. Bonne nuit, monsieur de Lafayette, messieurs.
T'as des envies, faut pas te gêner. Appelle l'autre, profitez-en. Faire, monsieur Leguisme. Mourir, votre majesté. Que votre majesté me pardonne. Ils m'avaient donné leur parole qu'il n'y aurait pas d'autre violence. Et vous, monsieur de Lafayette, vous avez choisi de les croire. Lafayette est de leur côté! Ils se moquent de vous! Le roi s'est enfui! Regardez! Il n'y a personne! Regardez! Votre Majesté doit se montrer au balcon. Sinon, nous ne pourrons plus les contrôler. Non, Louis, je vous en supplie, n'y allez pas. Ils vont vous tuer. Sire, je ne crois pas qu'ils vous veulent du mal. Vive le roi! Vive le roi! Vive la nation! Vive
roi accepte. Retournez à Paris et le roi vous suivra. Ils mentent! Si nous partons, ils vont s'enfuir! Marat a raison! Ne partons pas! Vous avez la promesse du roi. Et l'Autrichienne? Où est-elle? Elle s'est déjà enfuie!